déjà fait pas mal. Intelligence sur les technologies télécommunications data. On a ici des équipes qui travaillent sur l'administration de l'environnement. Donc, plus particulièrement pour ce projet-là, on a un parti d'analyse. Donc, on sait réussir avec le projet qu'on va apporter. Nous avons là un projet emblématique qui ambitionne d'avoir 400 ingénieurs techniciens de haute voltige. Nous sommes déjà à 180, sauf erreur de nos missions. Donc si on fait le calcul, il nous reste pas grand-chose, 280 pour l'objectif. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'un objectif encore plus ambitieux, c'était simplement pour votre santé. J'avais peur qu'on puisse devenir grassouillé si on ne courait pas un peu plus vite. Sachant que nous sommes en mesure ensemble, avec nos ressources humaines et vos capacités de recrutement, de formation, d'accompagnement de ces ressources humaines, de répondre à vos clients présents, je veux dire physiquement, mais présents dans notre environnement, mais aussi vos clients futurs. Parce que ce que nous ambitionnons ensemble, c'est que cette plateforme puisse à la fois avoir comme client Orange, qui est la maison mère, mais ce n'est pas suffisant à nos yeux. Ça peut pouvoir s'ouvrir plus de clientèle, marocaine, locale, parce que, comme vous le savez, l'agence de développement du digital que nous venons de lancer et qui aura son conseil d'administration, comme je vous disais, probablement le 22, puisque probablement, il est programmé sauf changement pour le 22, et donc nous allons rentrer dans une ère accélérée de développement du digital, sous toutes ses formes, du e-gov à des choses plus sophistiquées. Et donc, nous allons avoir besoin, au niveau national, de partenaires qui vont nous accompagner avec plus de force et de détermination. Mais ce n'est pas suffisant. Ce que je pense, c'est que la plateforme Maroc est en mesure d'accompagner ses partenaires pour aller bien au-delà. Et je crois que l'expertise de Sofrecom est intéressante et je ne peux pas passer à côté de vous avoir devant moi pour vous dire que ce partenariat que nous avons signé ensemble et que nous concrétisons aujourd'hui, qui a été signé devant Sa Majesté le Roi, est un angle de ce que nous pouvons concrétiser ensemble.